C'est la rentrée de Champs-Élysées avec toutes les générations réunies devant les caméras de Dominique Colonna. À bord de cette Daimler de 1968, la troupe des années 60, salut les copains. Marie Facundo, Anaïs Delva, Fanny Fourquet, Vincent Eden, c'est l'événement. C'est aux Folies Bergères, mise en scène de Stéphane Jarny. Hommage à SLC, salut les copains, les années 60. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir, bienvenue sur France 2. Nous allons chanter, danser sur des chansons, des musiques des années 60, des années 80. Un invité d'honneur qu'on applaudit, Johnny Hallyday, vous l'avez vu. Bienvenue de Robbie Williams. Toutes les générations sont représentées. Allez, nous sommes en 1960, nous écoutons Europe 1, SLC. Salut les copains. Le boulot, on se retient d'accoucher, on ne respire plus, on tend la main vers le transistor et tic, on me retrouve chez moi dans mon émission préférée, salut les copains. SLC, salut les copains. Et oui, dans les années 60, on est tous copains. On va vous raconter l'histoire de Catherine et Michel. Well, mama, don't treat me wrong. Come and love your daddy, you're not long gone right now. Chanter en français. Ah ben non, non. Michel et leurs amis, Pierre, Jacques, Roger, Annie. Aime les sucettes à la nuit. Juste pour être sûr, tu comprends ce que tu chantes? Ben oui. Annie est vraiment une fille sur qui on peut compter. Hé, hey, t'as pas du twist? Nicole. Je m'ennuie. J'ai. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui nous fait du... Et comme moi, il vous prendra. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez plus le faire? C'est la prose? C'est pourtant pas difficile, hein? Tous ceux qui ont encore des jambes avec moi, les autres, ne faites que les bras. Allez, on va leur montrer comment twist. Et c'est parti. Et on y va, on se lève, on danse. C'est comme ça qu'on fait le twist. Regardez ce qui est merveilleux dans cette danse. Il y a plein de variations possibles. Moi, par exemple, je sais la danser de dos. Et oui, j'ai un très joli dos. Si, c'est ma maman qui le dit. Moi, tout ce que dit ma maman, je crois. Regardez les filles, elles sont jolies, elles sont modernes, elles aiment le twist, elles dansent le twist. C'est comme ça que ça se passe, on aime, on fait, on danse. Hey! Vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twisté. Un vieux devant et les deux mains fermées, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter, encore un effort vous l'avez.
La troupe de Salut les copains, depuis quelques jours aux Folies Bergères. Et c'est Johnny qui se prépare en coulisses, qui doit être heureux, ça lui rappelle les souvenirs, c'est lui qui chantait Twist Again. Exactement. Vincent Eden, le narrateur, c'est lui. C'est lui qui raconte l'histoire. Il nous présente la troupe de SLC. Alors, Salut les copains. Je vais commencer par Grégory Deck, qui joue le rôle de Jacques dans la pièce. Sa petite amie Annie, jouée par Anaïs Delva. Ensuite, nous avons Fanny Fourquez et Flo Mallet, qui jouent Catherine et Michel, nos héros. Ensuite, Alexandre Fetroni, qui joue Pierre. Sa petite amie, il est toujours question de petite amie dans ce spectacle. Nicole, jouée par Marie Facundo. Notre ami publicitaire Roger, joué par Laurent Paolini. Et nos amis danseurs, Sabrina, Antoine, Suzanne, Hélène, Alicia Iran et Nadine. Voilà. Pascal Fornery a écrit le livret. Agnès Bourri, les dialogues. La mise en scène, Stéphane Jarny. Vanessa Coquet et Cécilia Seban pour les costumes. Stéphane Dijard, le décor, on les applaudit tous. Alors, racontez-moi. Un petit mot à chacun. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Moi, plutôt du théâtre musical, voilà. Et vous? Également. Également, ma cinquième comédie musicale. Très bien, quelle comédie musicale? Il y a eu Roméo et Juliette, il y a eu plus récemment Dracula, il y a eu Cendrillon, le spectacle musical sur lequel j'avais d'ores et déjà travaillé avec Vincent et Marie d'ailleurs. Il y a eu Robin des Bois, La Légende ou Presque, et maintenant Salut les copains. Très bien. Et vous? La comédie musicale également, donc Piaf, je t'aime, Fashion de l'enfer de Ridis, Cléopâtre, Dracula. Cléopâtre, Dracula, c'est des grands succès, ça. Et vous? Eh ben, pas moi. Vous, ce serait pas The Voice? The Voice, ouais. Ah. Vous êtes resté combien de temps dans The Voice? Plusieurs semaines. Je suis resté, le temps du tournage, plusieurs semaines. Je suis resté 3 émissions. Très bien. Et vous? Alors pareil, théâtre musical, spectacles musicaux, avec Vincent et d'autres, c'est une vraie bande de copains. Du coup, on se retrouve tous et on découvre. Vous avez toujours rêvé de chanter et danser? Ah ben oui, toujours. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec Stéphane Jarny, déjà sur Le Magicien d'Oz. Voilà, et Stéphane Jarny et les danseuses que vous voyez derrière nous, c'est un habitué de ces plateaux. Ils sont souvent venus nous voir dans l'émission Vivement Dimanche. Applaudissez les danseuses derrière. SLC, Salut les copains, c'est l'événement de la rentrée. C'est un bon enchaînement.